هي بنرحب بوفد رجال الأعمال الفرنسيين، وفد مكون من ممثلي 35 من كبرى الشركات الفرنسية. نرحب بهم لأن حضورهم تأكيد لاهتمامهم بما يجري في مصر في واهتمامهم بالشأن الاقتصادي والاستثماري. هذا الوفد في مقابلاته للوزراء المختلفين سيقف على المناخ الاستثماري الجديد الذي يسود في مصر، سيتعرف على المشروعات المطروحة للاستثمار في القطاعات المختلفة، سيقوم بزيارة قناة السويس يوم الأربعاء القادم، ويقف على هذا العمل الجبار الذي يدل على الإرادة القوية المصرية في التنمية، وسيتعرف أيضا على مشروع تنمية منطقة قناة السويس بكل ما تتضمنه أو يتضمنه هذا المشروع من فرص استثمارية متاحة في مجالات مختلفة. مرة أخرى هذا الوفد الذي يحضر اليوم إلى مصر جاء ويالي وفود كثيرة جاءت من دول غربية وشرقية كثيرة توالت على مصر مؤكدة للمناخ الاستثماري السائد واهتمامها بالشأن الاقتصادي والاستثماري في مصر. نرحب بهم ونتمنى لهم إقامة طيبة في بلدنا. D'hommes d'affaires conduite par MEDEF International. C'est une mission qui a été retardée à plusieurs reprises, mais qui finalement est arrivée, retardée pour des raisons d'ailleurs totalement indépendantes de la volonté et des autorités françaises et des autorités égyptiennes. Je dirais peu importe, l'essentiel est que cette délégation soit là. Je crois que le moment est tout à fait opportun, correspond à une période importante pour l'Égypte. On voit qu'un certain nombre de signes montrent que l'économie égyptienne est en plein redémarrage. La croissance repart. On voit beaucoup de projets de développement qui apparaissent. La conférence de Sharm el-Sheikh a montré que l'Égypte était à nouveau devenue une terre attractive, un pays attractif pour les investisseurs internationaux. Donc il est important que les entreprises françaises soient là et saisissent, comme l'a dit tout à l'heure le ministre à l'occasion d'une réunion à laquelle il était, que les entreprises françaises participent de ce mouvement et participent et profitent des opportunités offertes par la conjoncture égyptienne. Je voudrais dire simplement que les entreprises françaises sont déjà présentes en Égypte. Le commerce entre deux pays est important. La France est un partenaire commercial important de l'Égypte. La France, à travers ses entreprises, est présente également en Égypte. Il y a 150 entreprises françaises qui sont présentes en Égypte et qui emploient plus de 32 000 personnes. Donc des résultats qui sont déjà très positifs et encourageants. Mais je suis convaincu, et j'aurai l'occasion de le dire tout à l'heure, l'intervention que je ferai plus tard à l'occasion du dîner, je suis convaincu que nous pouvons faire beaucoup mieux. Et je pense que la venue de cette délégation d'hommes d'affaires français est un signal très, très positif de l'intérêt que les entreprises françaises portent à l'Égypte, de la confiance qu'elles ont dans l'avenir économique de ce pays, dans la foi qu'elles ont aussi dans les mesures qui ont été prises, dans les réformes qui ont été prises, ou engagé en tout cas par les autorités égyptiennes. Voilà, je voudrais conclure en remerciant le ministre Mounir Abdelnour, qui nous fait l'honneur de sa présence ce soir, remercier aussi le président du Conseil franco-égyptien des affaires, M. Fouad Younes, le président de la Chambre de commerce française en Égypte, les autorités égyptiennes de façon générale, de l'accueil qu'ils réservent à cette délégation. Merci beaucoup.